bolo kakaru gitu kendong gubur gembe kendong zuma bila bumi di dongnya benin ba bajol laga. Bonjour, salam alaikum, chers amis. Yéni nek ci plateforme bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar. Nous sommes toujours vraiment ensemble, Bintou Mané et moi. On se prépare comme ça pour faire l'enrichissement de l'émission Tam Tam. Salam alaikum, nous sommes tidé. Voilà, c'est bien. Voilà, mais continuez. Moi, nous qui est Abdul Aziz El Gay. Nous avons un moment où nous avons projet. Nous avons un projet. Nous avons un projet. Voilà, moi, j'ai appelé. Merci. Voilà, voilà, voilà. Monsieur Ham Balantakunda, voilà. Monsieur Ham Balantakunda, voilà. D'ailleurs, Balantay, nous avons fait depuis des siècles. Ouais, nous parlons Ham Yulen. Voilà. Les gars, malgré ça, mon beau qui Balantay, jotna, jotna, nous venons où, nous dem, finir petit dem. Voilà, nous venons où, nous parlons n'importe quoi. Voilà. Voilà, il faut que ñep gis ñu ñu wara gisé. Il faut que ñep xam ñu xam culture balanté yi lu muy refété lu muy néxé lu muy yaato. Voilà, il faut que ñep xam ñu deug la. Damay wëyel sama nuyo rek daldi nuyu suñu tata, hein, tata Bintou Mané, hein, mom mu jégué ba France way nak di def liggé bu am solo ci walu ciosan ak aada. Lool di wané né jamono ji ngeen fay nek taxul ngeen faté sen ciosanu réew ak sen aada réew. Nuyu na la. Que d'histoires à raconter. Taquiner le patrimoine immatériel, revisiter Sédiou dans ses profondeurs, c'est aussi donner à Sédiou ses lettres de noblesse à travers la culture balante. Imaginez au jour que tous les jeunes de Birkama se racontent ici, ils se rencontrent pour penser les mots et mots de la société. Voilà pourquoi nous avons choisi cet arbre pour vous raconter partout en Afrique, comme nous avons les codes de transmission orale, les sociétés disent Talin Talin, Talin Dima. Ici, ils ont aussi leur façon de raconter l'histoire. Bontoulou Kalama. Badjole, Badjole. Oui, Mashallah. Merci mesdames et messieurs. Donc, comme promis, nous sommes ici toujours à Birkama pour rencontrer un grand monsieur qui va nous raconter l'histoire de la source ici. Parce que nous avons eu à visiter des sources. Nous avons été aussi au niveau de Diatakunda, une belle source qui fait face au village du grand footballeur Sadio Mané. Bref. Badjola. Badjola. Anso Ousmane Sadio, raconte-nous un peu l'histoire de la source ici à Birkama. Voilà, comme Benan sac. Quel est l'un de tous amoureux de Hédiko? Oui. Voici la source mythique de Birkama. Donc, les aïeux venant de Safan sont venus, ils ont trouvé cette source-là, ici. C'est là qu'ils font tout. Et s'il s'agit de faire des prestations, ils sont là ici et nous aussi, on l'a trouvé ainsi. Tout ce qui est préparation mythique, c'est au niveau de la source ici. Très bien. Alors, comment se fait-il que vous avez hérité aujourd'hui vraiment cet espace, ce patrimoine vraiment fort, traditionnel? Qu'est-ce qui a fait que
on vous a légué ce patrimoine-là pour être le responsable. Voilà. Quand vous venez d'aller au Danganronpa, le magasin où nous avons été allé, nous avons tiré des mains faites de l'air. Faites moi bien faire un bol comme vous êtes singa. Quand vous mangez, nous n'avons rien à humer dans le. L'honneur ne se refuse pas. Donc, ce sont les villageois qui l'ont indiqué, d'après les génies. Parce que c'est, il n'est pas désigné n'importe quoi. Comment? Ce sont les génies qui ont. Ils ont interrogé et les ennemis ont leur dit que la personne la mieux placée, c'est en ce moment-là. Donc, il s'est dit que c'est pas parce qu'il n'est pas, il est enfant, c'est pas ça. Il n'est pas plus intelligent que tout le monde. Il ne connaît pas plus que tout le monde. Donc, c'est l'aide de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Il est aujourd'hui désigné responsable de cette source. Très bien. Donc, voilà un dialogue fort. Intéressant, ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Les vieux ont légué ce patrimoine très fort à la communauté de Birkama. Ici à Birkama, quand les esprits ont interrogé ce jeune Ansou, il a pris avec soin ce patrimoine. Comme pour dire, quand un parent, quand un ancien donne une ligne de conduite à suivre, il faut religieusement prendre ces lignes de conduite, c'est ça qui fait la force de ce patrimoine et aussi de cette communauté dans Birkama. Merci en tout cas à la communauté Balante pour tout ce que vous avez gardé comme patrimoine qui fait la fierté et la richesse de la culture Balante. Avant, les Balantes utilisaient ces arbres-là comme leur remarque ou empreinte, si je peux le dire ainsi. Donc, ils avaient combattu les autres qui sont là, qui étaient là, les occupants. Oui. Et finalement, pour marquer que ici c'est leur territoire, oui. Ils ont planté tout au long. Et voyez ce tabatier là, c'est bien aligné. Mm-hmm. C'est de Tanaf jusqu'à là où se termine le Balantakunda, c'est-à-dire à Mangakunda. Ils ont marqué leur territoire. Là où ils ont acquis. Oui. Alors, par rapport à ça, donc ils avaient bien aligné. Oui. C'est vrai qu'ils étaient des analphabètes, oui. Mais qui étaient très intelligents aussi. Donc ces tabatiers-là ne sont pas aussi des arbres seulement pour les Balantes, mais aussi ce sont des totems, oui. Et également des empreintes, oui. Pour dire que ici, oui. C'est notre territoire. C'est acquis. C'est acquis. C'est à nous. À nous. C'est le cours. Thank you.
Sur scène, mm-hmm. a lancé un concept Zoom sur la culture Balante, une façon de faire la renaissance Balante mm-hmm. à travers un concept Je suis Balante, donc j'existe. Et qu'est-ce que ça vous dit ce concept? Ce concept vraiment vient à son heure. Au moment où nous voyons vraiment que la culture Balante, les Balantes sont en train de vraiment, comment dirais-je, voilà, s'éparpiller, oui. disons. Certains Balantes, aujourd'hui, abandonnent leur culture. Aujourd'hui, c'est comme si dirait que la culture Balante est en perte de vitesse. Et malgré les efforts que les acteurs culturels sont en train de fournir, que les anciens ont fourni, la jeunesse aussi est en train de fournir, il y a toujours vraiment un problème de valorisation, de revalorisation de la culture, de ça, la promotion de la culture. Est-ce que ça, je peux dire, c'est pas dû en partie à ce que les jeunes ont tourné le dos à l'histoire? J'ai entendu de grands balafonistes, Andia, hein, qu'on ne présente plus, d'autres dans la famille Mané qui sont consacrés les rois du balafon au Sénégal. Je viens aujourd'hui d'un grand théâtre où j'ai travaillé, le Théâtre National de Sorano. Les meilleurs balafonistes sont là-bas, c'est les Mané. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui le patrimoine immatériel Balante compte faire à partir de là pour gérer ce patrimoine-là qui tend à disparaître? Et donc, vraiment, je pense que je disais que Je suis Balante, j'existe est venu à son heure. Le patrimoine, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La direction du patrimoine a travaillé jusqu'à répertorier certains instruments Balantes, dont et les danses Balantes. Donc le danse Ndjokta, le balafon a été sélectionné comme reconnu comme un instrument mondial. Voilà, patrimoine mondial. Tout à fait. Et un instrument Balante aussi. Un autre instrument. Voilà, il y a le mbongong. Le mbongong qui a joué hier. Et l'instrument à voilà, cordes. Voilà, l'instrument à cordes là. Et à l'image du bongo. Voilà, effectivement. Chez nous, les Wolof. Voilà. On a le bongo. Effectivement. Il y a aussi le kokongoma. Voilà. Hein, donc la chanza. Voilà. Comme disait Francis Bébé. Dans sa musique, n'est-ce pas? Voilà. Il y a la danse Ndjokta, qu'on appelle la danse guerrier. Et donc, en Balante, ça s'appelle Ndjokta. Donc, une danse que les guerriers Balantes, lors d'une expédition vraiment victorieuse. Donc, après, ils organisaient une séance de danse autour du balafon où chaque guerrier s'auto-glorifiait. Et voilà. Célébrer la victoire. Elle a célébré la victoire. Et donc, voilà certains instruments et danses qui ont été répertoriés par la direction du patrimoine. Et donc, là, je pense que ça, c'est une bonne chose, c'est un pas. Mais toujours est-il qu'on voit que ça reste encore